Bakako, l'accord de Bakako, nous sommes maintenant pratiquement, il est déjà 18h maintenant, 18h. La montée de Bakako, après Bakako, on trouve Zaroko, voilà. Pas du tout facile. Eli est là, mon ma gueule, qui vous voyez ici, voilà, vous voyez, c'est pas facile la côte, il faut monter cette côte là. Voilà, pas du tout facile. Les bois sont impraticables ici. Voilà, il faut avoir la compassion des âmes, je vous assure. Fréquenter ces endroits. Aujourd'hui, depuis que nous sommes ici dans cette région, je vous assure, les parents ont arrêté de faire des funérailles. Voilà, c'est ce qui est vrai. Malheureusement, il y a tellement d'ingrats et tout ça, mais le combat, il continue. Voilà, il continue pour nous. L'homme a droit à la vie. Nous le faisons pour obéir à la voix du Seigneur, c'est tout. Pas pour faire plaisir à une personne. Pour obéir à la voix du Seigneur. Voilà. Pendant que nos collègues sont assis dans les grandes villas, dans les grandes de grosses voitures, nous autres, nous payons le prix. Nous sommes sur le terrain. Même s'ils sont sorciers, c'est pas grave. Il faut les amener à Christ. C'est ça. C'est ce que nous faisons d'ailleurs, nous amenons les sorciers à Jésus-Christ. C'est le seul centre d'ailleurs ici en Côte d'Ivoire où le sorcier est transformé véritablement après les aveux. Voilà, c'est le seul centre ici à Peniel, hein. Voilà, où nous délivrons véritablement les sorciers, nous les délivrons véritablement. Oh, chose bizarre, c'est qu'il n'a pas totalement pris ici. Il n'a pas tombé de pluie. Hein. Voilà, c'est le maréchal, hein. Enfin, Joël Crasso, voilà le maréchal de la brigade anti-sorcier. Voilà, nous sommes en train d'entrer ici à Bakako. Bakako, nous allons border maintenant entrer à Zaroko. Voilà la voie de Zaroko. Voici l'école primaire de Bakako. L'école primaire de Bakako. Voilà nous avons la voie de Zaroko. C'est pour ça que les gens doivent vraiment nous porter dans leur cœur. Nous porter dans leur cœur. Voilà. Et de ne cesser de prier pour nous, de nous soutenir. Parce que vraiment, vraiment, il faut avoir la compassion des âmes pour être ici. Ouais. Il faut avoir l'amour des âmes. Oh, merci Jésus. Porte des arocos pour toi, élève tes linteaux, pour toi, porte tes ténèbres, des arocos, moi, comme le Dieu, je vais le chalon, je fais mon entrée à Zaroko avec Donaï, alors toute âme forgée, comme tu m'as déclaré, je plonge mon âme, mon esprit, tout mon être dans le sang de l'agneau, je proclame et je déclare que Zaroko est pour moi mon héritage, et tout ce qui m'attend maintenant, son sein, est détruit dans le nom de Jésus-Christ, je renverse la mort, le pouvoir de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je suis escorté par des anges. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce que je vais entreprendre dans ton sein, à Zaroko, tout ce que je vais toucher puisse marcher. Je proclame la puissance de Jésus-Christ. Voilà, nous rentrons à Zaroko. Voilà, il faut toujours parler à l'entrée d'un village, avant d'entrer dans un village. Il y a des paroles prophétiques pour posséder les lieux. Parce que la Bible dit, tu rentres dans un territoire, Dieu te donne le territoire en héritage. Lorsque vous lisez un peu le son 24, on parle des portes. De toute façon, il y a les portes d'entrée physiques, il y a les portes d'entrée spirituelles. Donc là où en entrée du village, vous parlez, vous permettez à tout ce que vous allez entreprendre au sein de ce village, tout ce que vous avez reçu. Parce que c'est à partir de l'entrée qu'il y a les caméras et les radars mystiques. Donc vous brouillez ces radars mystiques et vous parlez déjà au village pour dire qu'il y a quelqu'un qui est un prince. Et qui, voilà, donc, c'est des enseignements comme ça, je vais donner au cours de la semaine. L'autorité, le pouvoir du chrétien. Voilà, l'autorité, le pouvoir du chrétien. Voilà, je pense que les gens seront très édifiés. Voilà, pour ne pas qu'on joue avec vous. Voilà, vous êtes en plein cœur des Zaroko. Voilà, en plein cœur des Zaroko.
sommes à Zaroko, École primaire de Zaroko. Zaroko. Oui, voici le prix que nous payons. Hein. Voilà, il faut traverser beaucoup de choses, la voie impraticable, prix de notre vie. Nous sommes constamment là en train de sauver les âmes parce que c'est ça. C'est ça. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Je pense bien que il y a aussi des amis de Jésus-Christ. Il y a des amis, il y a des gens qui aiment l'œuvre de l'évangélisation qui pourra nous soutenir un jour. Voilà, voici ça. Je vous assure, si nous avons des 4x4, nous serons encore plus efficaces. Voilà, voici Zaroko. À droite, net, vous avez le centre de prière Penuel. Nous allons tout droit vers le centre maintenant. Nous allons vers le centre Penuel. Zaroko. Voilà. Nous allons vers le centre de Penuel. C'est le centre ici en Côte d'Ivoire. Où nous transformons les sorciers, nous les délivrons, nous les prenons comme des malades, nous les délivrons des aveux, les démons sortent des corps. Voilà, c'est le seul centre d'ailleurs, ici en Côte d'Ivoire. Voilà, en Côte d'Ivoire. Voici Penuel. Nous sommes maintenant en train d'entrer à Penuel. Nous sommes à Penuel. Tu as parlé à qui? Voilà, nous rentrons maintenant en plein cœur de Penuel. Voici le centre de prière. Voilà, vous voyez, nous sommes en pleine construction. Voilà, nous sommes en pleine construction. Le préau, voilà, nous sommes en pleine construction. Je viens à peine d'arriver à Penuel. À Penuel, nous sommes à Zaroko maintenant. Voilà, donc shalom. Voilà. La retraite démarre aujourd'hui. Elle prendra fin par la grâce de Dieu le dimanche. Et nous serons en train de se enseigner le pouvoir du chrétien. Le pouvoir du chrétien. L'autorité, le pouvoir du chrétien. C'est ce qui sera enseigné pendant ces jours-ci. Voilà. Donc voici un peu ce qu'on a entrepris. Voilà. Ce que nous avons entrepris déjà. De construction. Voilà. Grâce de Dieu. Shalom. Ici c'est la Côte d'Ivoire. Je répète, je n'essaie de répéter, c'est le sang de prière Penuel. Penuel de Zaroko, dans le département de Divo, dans la sous-préfecture de Iré. Ici c'est le centre où il y a des délivrances, où nous prions pour les malades, où Jésus-Christ se manifeste puissamment. C'est le seul centre ici où nous délivrons les sorciers. Nous nous amenons réellement la conversion, nous amenons réellement Jésus-Christ. Nous les transformons par la puissance de Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur pour la réalité qui démarre aujourd'hui dont le thème est l'autorité et le pouvoir du chrétien. Voilà donc, shalom, shalom. À faire la suite.